Ok, allez. Allons voir la petite démo de ce jeu. Should have killed us. But instead, it left us something more. Altered and Outrider. Only we can lead them to a future. Whatever we were before, we're something new now. We were given a second life. We can't waste it. Tatouage. Tatouage. Ah ouais. Pas une autre. Non, c'est celui-là. Ah, je vais y laisser celui-là. Le piercing. Pas de piercing. À la démo.
La démo comprend tout le chapitre d'instruction, toute la programme de qualité de sera transférée pour effectuer les liens. Ok. Niveau, commencer, sélectionner, commencer une nouvelle partie. La terre est morte. Nous l'avions détruite. Le vaisseau était censé nous transporter à travers les étoiles. Un seul vaisseau a réussi. Est-ce que nous? Après un voyage de 83 ans, nous gravitons enfin autour de notre foyer. Planète Enoch. Winoche. Enoch. Bon. Capsule 1, QG Flores, autorisé à engager la descente vers la surface. Reçu, désengagement. Allumage des propulseurs auxiliaires. QG, nous pénétrons l'atmosphère dans 20 secondes. Initiez allumage, rotation et freinage. Premier allumage, moteur à 30%, rotation. Nous entrons moteur en premier, altitude 6 km en chute libre. Capsule 1, nous captons des interférences passées en antenne directionnelle. QG, confirmez force du signal. Ça a l'air excellent, capsule 1. Procédez à l'atterrissage. Extinction des moteurs, capsule 1 a atterri. Comme à la maison. Ouais, c'est ce qui m'inquiète. Alors, boss, on est prêt? Dans mon camion. Des snipers à 3 et 6 heures, plusieurs défenses et une base d'opération établie dans l'heure. Au boulot! Gutman, venez ici. Vous connaissez bien les enjeux. Le Flores est déjà à moitié démonté et notre moteur part alimenter une ville d'un demi-million. Si ces abrutis d'Outriders touchent le gros lot, vous venez me voir en premier. Je suis là pour m'assurer que les procédures sont respectées. On n'est plus sur Terre, Shira. Les procédures, c'est démodé. Écoutez, Outriders. Je sais ce que vous vous dites. La maison, c'est fini. Et personne ne sait ce qui nous attend là-dehors. Mais l'océan n'approuvera pas l'atterrissage. Alors au boulot! Bouffer le premier jour. Relax, Outrider. Tu vois rien. Je ne serai pas là sans vous.
Je serai à la maison sous un tas de cendres. Ok. En avant. Ouvre l'œil, tu prends l'arrière. Waouh. En tout cas. Ah. Tu sens cet air un peu ? J'arrive même plus à transformer un air qui sent autre chose qu'un carburateur fumant. L'air sur Terre ne me dérangeait pas. Je m'étais habitué. On s'habitue très bien à l'air frais aussi, crois-moi. Le truc, c'est que... aucun de nous n'aurait dû quitter la Terre. Culpabilité du survivant. Tu crois que les autres ne le ressentent pas ? Pas seulement ça. Si le moteur du Caravelle n'avait pas explosé sur Terre et tué la plupart des vrais Outriders avec, il n'y aurait pas de mercenaires ici à leur place. Tu fais partie du groupe parce que tu ne recules devant rien. Il est beau le jeu. Ça, beau. Magnifique. On va camper ici. Outrider, mets un drapeau balise. Le QG saura que l'endroit est sûr. What? Beau ce truc. Ok, tout le monde, on a du pain sur la planche. Kösberg, Skarstedt, établissez un périmètre. Je veux voir les premières fortifications dans l'heure. Jacob, tu vas tester les munitions. Gutmann, active ton scanner rapidement. Qu'on mette la main sur ces sondes. Outrider, viens là. Hey! Quoi qu'il arrive, j'ai besoin de mon meilleur tireur sur le coup, au cas où ça foire. Je peux compter sur toi. J'attends vos ordres, capitaine. Nos armes ont pas tiré depuis près d'un siècle. Va donc voir Jacob pour qu'il vérifie ton équipement, et prépare-toi. On bouge dès qu'on aura localisé les sondes. Des questions ? Silence sur Terre, j'imagine. C'est vraiment fini ? Elle est morte, 15 ans après notre départ. Plus ou moins comme prévu. Salut Talia. Le CA confirme qu'on ne reçoit rien depuis. Oh merde. Comment tu vas, Talia ? Bien ? J'ai grandi dans la misère. Je joue une démo. Okay. Sans argent, rien. J'ai tout perdu. Ça va, ça va. Bien okay. Avant la fin. Je me souciais pas vraiment de la fin du monde. Je pensais même pas vivre au-delà de 20 ans, putain. Je sais pas pourquoi. Mais bon, j'ai survécu. Maintenant, je sais même pas ce que je suis censé foutre ici. Moi, ça va. Ça va tranquille. Si tout va bien. Ça va, tranquille. Le jour viendra où tu laisseras tout ça derrière. Mieux. C'est un nouveau départ. Pas rhumé. Tu pourrais fonder une famille. Pas rhumé. Te faire une piole. Et vieillir tranquille. C'est pas moi, capitaine. Ça va. Pas les gosses. Quelqu'un comme moi n'aura jamais sa place ici. Ça, c'était peut-être avant. Mais tu fais partie des élus. Tu construiras le futur. Ne le gâche pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Je vois votre femme avec la terre. Vous en connaissez d'autres qui ont quitté la terre, capitaine ? Mon frère. Presque. Mais non. Ils l'ont mis en cryostase. La voix de celui avec les... Ouais, franchement, c'est cool que c'est en français. En plus, c'est Square Enix qu'on fait le film. Le jeu, pardon. Désolé de l'apprendre. J'ai pas encore vraiment eu le temps d'y penser. Là, c'est la démo. Et Sarah, alors ? Je sais pas quand il sort le jeu. Enfin, je regarde. Ouais. Sarah est là-haut. Il réveille son groupe dans 6 mois seulement, mais... Je peux attendre. J'ai oublié de te dire, au fait, avec tout ce qui s'est passé, mais...
Ma fille est enceinte. Ah. C'est pour ça qu'elle a pu venir. D'une pierre deux coups, alors. Je viens de la commencer, voilà à lire. Voilà pourquoi vous pétez le feu depuis... J'ai créé le bonhomme, et puis là, voilà. Ça suffit, Outrider. Je viens d'arriver sur une planète. Oui, chef. Grand-père, chef. Je vais voir Jacob au champ de tir. Bien. On décolle dès qu'on retrouve les sondes, alors prépare-toi. Ouais, c'est ça, t'arrives au bon moment. Alors. Personnage, ok. Ça, c'est les personnages. On peut savoir ce qu'il y a. D'accord, dans quoi il bosse. Vétéran, ça ok. Il m'intéresse un petit peu le jeu là, juste comme ça, l'ambiance là, ça me. M'intéresse. On prendra peut-être par Gamoniac. Histoire. Et apparemment, le jeu là, l'histoire que tu fais en démo pour être renvoyé sur le jeu auquel tu. Quand tu auras le jeu complet. Ça veut dire que tu vas rien perdre. Tu vas faire la démo et quand le jeu va sortir, tu vas pouvoir reprendre ce que tu as pris, là où tu t'es arrêté. Allez, parler à au mec. Et je te jure, je l'ai regardé comme ça, même la qualité, l'image, elle est belle. Oh mais il va être... Bah, il, à ton avis, je suis sur quoi là? Ah merde. Juste là, c'est... Regarde. J'aurais jamais cru que prier marcherait. Je veux juste aller là. Magnifique. Oh. Alors si on peut bouger dans tout ça, là, ça peut être un patoche. Je peux t'aider, boss? Je connais ce regard. Alors, qu'est-ce que tu penses de... Qu'est-ce que tu penses de cet endroit, Jacob? C'est parfait. Magnifique. Combien de temps avant... Imagine avec le 4K, ouais, bah ouais. Oh, après tout ce temps, t'es toujours aussi cynique. Regarde-moi cette vallée. Je sais pas, boss. On a quand même pas bah, mal de... Bah déjà, pression, dis-toi, à l'origine... On vient de laisser une planète morte derrière nous. Moi je suis pas en... Alors, 4K. Si on nique celle-là, peut-être pas. Pas en 4K, bon, mais niveau ouais. Connexion, j'en vois on beaucoup. Va après, pouvoir arrêter de dormir. Twitch ne prend pas la 4K. Dommage, parce que là vous l'auriez la 4K. Savoir si on va crever de faim ou non. Crois-moi, boss. Je rêve qu'on y arrive. Tu peux pas savoir. Mais les gens ne changent pas. Et tu vois. Toujours sur le noir. Hein. Avec mon réglage que j'ai la fait. La maison gagne toujours. Alors, c'est où déjà? Je monte mon réglage à moi. Hein. Avec le gâteau. Je monte moi le gâteau. Enfin, mon gâteau, non. Je te monte le réglage d'image. Ça, c'est avec le gâteau quand on le reçoit. D'accord? Au niveau du réglage. Ça, c'est le gâteau. Là, c'est moi qui ai fait le réglage. Au niveau des images, ce que je vois moi à la télé, à l'écran, hein. Ça, ce qui est à l'écran là, je vois pas comme ça, hein. Bien éclairé et tout, je l'ai éclairé à bas façon. Même là, regarde, je te remets le mode. Ce dernier jour s'est étendu. J'ai cru à un moment qu'on allait tous y passer. On risque souvent nos vies. Regarde. T'arrêtes pas d'y penser toi aussi. Là. Hein. Le gâteau. Je sais. C'est fou. Là, c'est moi. C'était il y a 80 ans. Comme si c'était hier. J'ai encore des petites douleurs et les oreilles qui sifflent à cause des coups de feu. Faut dire qu'ils étaient des milliers à se grimper les uns sur les autres, massacrant tous ceux qui se trouvaient sur leur passage pour faire tomber la rampe de lancement et défoncer les portes de la navette. Là, moi. J'en ai fait des champs de bataille, mais ça, c'était l'anarchie. Écoute, c'était nous qui partions de la planète, ou eux.
Merci. On a fait ce qu'on avait à faire. On fait ce qu'on a à faire. On s'aide les uns les autres. Ça, ouais, pas le choix. T'es la seule personne en vie que je connaisse, à part le capitaine et Cuthbert. Ouais. Je suis surtout le seul en vie qui mérite d'être connu. Je suis content que t'aies pu embarquer, salopard. Oh, mais ça me fait toujours... Ouah, t'inquiète. Allez, je vais m'entraîner au tir. Voir comment ça rend. Du matos à tester. On va tester la petite manette. Un peu d'entraînement aux cibles, boss. On va tester la manette. C'est parti. En plus, j'ai fini. J'ai fini, putain, merde. Alors, attends. Cover, presse. Ah. Je tire où? Ouais, c'est là que je dois aller. Ok. Ah, pardon. Ça me plaît, ça. Ouais, un nouveau joujou, boss. Et c'est toi qui vas le tester. Ok. Arme de poing. C'est simple, c'est comme le vélo. J'ai pas trop perdu. Outrider, demande à notre agent de l'ECA si Shira a trouvé des soins. Oh, classe, j'adore. Ah oui. C'est stylé le petit truc où ça te dit où aller en fait. Toc. Voilà le petit truc, faut que j'aille là-bas. Parlez à Shira. Oh mon dieu. C'est superbe. Oh, si tu avais vu ça, papa. Hé hey. Vous êtes Shira, c'est ça? Excusez-moi. Cette planète, j'en viens pas. C'est très beau. C'est au courant que j'ai plus d'argent et là, je vais me mettre à acheter une PS5. Tout ça. En clair, faut plus que je stream Talia, c'est ça. Faut plus je stream. Et puis, on aura un internet qui fonctionne dans les 6 premiers mois. Je l'ai dit en plus. On est parti avec je change très très souvent de jeu. Shira. Surtout s'il y a des démos, des trucs, des nouveaux jeux. On est en train de scanner. Je sais pas ce que je peux faire de plus, c'est que... Comment les signaux des sondes ont pu disparaître? Ouais, ce serait pas à cause d'interférences ou un truc comme ça. De l'espace, peut-être, mais pas d'ici. En tout cas, les premiers résultats étaient bons. On respire. Oui, mais pour que... L'ECA autorise un 500 000 de personnes à atterrir, il nous faut les données des sondes pour savoir si c'est faisable. Et si ça ne l'est pas, l'ECA a un plan B. Et si on parlait plutôt du paysage? Faut profiter, je suis pas en train de faire mon île ou aller chercher des arbres. Faut en profiter, tu vois, je suis sur ce jeu-là, donc faut en profiter. Bon, je veux la vérité. Le plan de l'ECA est solide, selon vous? Mon père faisait partie de l'équipe qui a conçu ce plan. Je l'ai toujours connu travaillant sur ce projet.
la plus grande entreprise de toute l'humanité. Ah, c'est comme ça que vous êtes là, alors. Pistonné par papa. Non. J'ai étudié l'ingénierie. Vécu en orbite. Conçu la structure. Vissé des rivets dans la coque. J'ai construit ce vaisseau. Donc vous méritez tout ça. Tant mieux pour vous. Non. C'était mon père. Mais pas comme vous le pensez. Il s'est sacrifié. Par contre, il y a un... Il est resté. Il y a un décalage... Merde. Salut les gamers, Alexandre. Désolé. Par contre, il y a un décalage de voix. Il aurait quand vraiment il parle. Été fou les lèvres. Je vais voir si c'est pas mon... Mais au final, c'est je vais voir si c'est pas mon Elgato. Mais c'est bizarre de me connaître. Il y a un petit décalage de... Quand tout sera fini... Avec les voix, les bouches, voir. Quand elles bougent. On n'est pas si méchants. Regardez pourquoi les... pas, j'ai rien à perdre. Vous voyez, là, elle a déjà fini de parler, alors que j'entends encore le... Attends, je vais voir si c'est moi ou pas. Attends, je regarde si c'est pas mon Elgato au cas où. Je vais le désactiver et le réactiver, parce que ça peut venir de ça, des fois. Avec mon ancien, ça faisait ça. Donc je vais regarder vite fait. Tac, je relance. Je regarde, je relance le même dialogue pour voir. Bon, je veux la vérité. Le plan de l'OCA est solide, selon vous ? Mon père faisait partie de l'équipe qui a conçu ce plan. Non. Je l'ai non, toujours c'est travaillant le jeu. C'est le jeu sur qui fait ce ça. Projet. La plus grande entreprise de toute l'humanité. Ah, c'est comme ça que non, vous c'est êtes le jeu. Là, alors. Pistonné par papa. Non. J'ai étudié regarde, l'ingénierie. Voilà. C'est le jeu qui fait ça. Vécu okay. En orbite. Conçu la structure. Vissé des rivets dans la coque. J'ai construit ce vaisseau. Donc vous méritez tout ça. Tant mieux pour vous. Non. C'était mon père. Mais pas comme vous le pensez. Il s'est sacrifié. La dernière fois que j'avais vu un truc, c'était dans Last of Us. Le premier. Il y avait eu un décalage comme ça dans le jeu, j'ai halluciné. Dans Last of Us, le premier. Il aurait vraiment été fou de voir tout ça. Mais au final, c'est moi seul. C'est bizarre de ne connaître personne ici. Quand tout sera fini, passez donc nous voir. On n'est pas si méchants. Pourquoi pas, j'ai rien à perdre. Comment se passe la colonisation ? Vous planifiez tout ça, non ? Oui. Ça va le gamer Alexandre, en fait ? On a commencé à démonter le moteur. C'est la première pièce à descendre. Le noyau nucléaire devrait fournir suffisamment de puissance pour lancer la suite. Et quand ferez-vous descendre les capsules des civils ? Quelques semaines après. Il y a des petits freezes. Je ne sais pas si c'est la démo, mais d'abord, il y a des petits freezes juste assez de monde quand et de la caméra... Pour pouvoir lancer l'infrastructure. Eau, nourriture... Et rame un petit peu. Ensuite, des petits lags. On sort les autres de leur sommeil. Quand la caméra milliers bouge. Par milliers pour éviter les pénuries. C'est le Renault. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un jour nous vivions tous dans une belle grande ville. Et pendant ce temps, le Flores, il va rester là-haut. Il a été construit en orbite. Il ne peut pas atterrir. Nous allons le garder là-haut jusqu'à ce que nous puissions voler à nouveau. Un jour, peut-être. Eh, c'est censé clignoter comme ça ? Oh, mais c'est une sonde. Tanner, je crois qu'on a un signal, tout près. Excellent, Outrider. Va vite me trouver cette merde, qu'on puisse atterrir. Bien sûr. Eh, c'est un moment historique. Il faut le documenter. Dans un but scientifique, bien sûr. Ouais, il est bien fait. Il est plutôt bien fait. Alors, l'ingénieur, tout ça, ok. Histoire. Encore, je suis à 0 sur 81. T'as pas mal de trucs à lire. Alors, c'est combien ? D'accord. Ah, on est surtout là pour l'action, à regarder. Alors, tech. En tout cas, niveau là, niveau fluidité, nickel. Hein. Perso, je me déplace. Les mouvements à 9h.
À 9h. À toutes les unités, 9h. Restez vigilants. Gardez le périmètre et ne tirez pas tant qu'on sait pas ce que c'est. Ok. Il est beau, quand même. Oh la vache. Wow. Je vois des... What? Ce genre de... Yen. J'ai la mallette qui vibre là. Il y en a tout un troupeau. On sait pas si la faune locale est végétarienne ici. On appelle ça des herbivores. C'est pareil. Ils ont une sale tronche en tout cas. Non, ils sont superbes. Je suis sûr qu'on peut les domestiquer pour l'agriculture. Ah ouais, carrément, la maniabilité. Une fois dans l'assiette. Maniabilité, nickel. Je crois que ça se mange, je sais pas. Je voulais le faire cuire dans ma cabane sur mon jeu, mais je sais pas s'il va rentrer dedans. C'est cool. Je regarde la flotte, comment elle est. J'aime bien regarder un petit peu les mouvements dans l'eau. Il y a quand même une des hyènes bizarres qui fait bronzette sur le chemin. Vous pouvez peut-être prélever de l'ADN si vous vous approchez. C'est pas vraiment la priorité, mais j'essaierai si je peux m'approcher sans l'effrayer. Ah, raté. Elle s'est enfuie. Mais j'ai sécurisé l'objectif. Fantastique. Je vois une tempête se former au loin. J'ai trouvé la sonde. Elle a pris un bon choc, mais les données ont l'air intactes. Bien reçu. Je transmets. Tu crois qu'on peut lui faire un câlin? Je sais pas, je vais essayer de voir après. Attendez. Tanner, je capte un deuxième signal. Mais il y a quelque chose de bizarre. Bizarre? La tonalité monte et descend. Elle devrait être stable, c'est étrange. Outrider Alpha à QG. Attendez avant de donner le feu vert. On a une autre sonde à analyser dans le coin. Négatif, Alpha. Votre travail est terminé. Bon sang. Écoutez, Maxwell. On peut pas se permettre la moindre erreur. Donnez-nous du temps. Du temps? On va pas rater notre fenêtre orbitale. On a les données, j'envoie le feu vert. Continuez à chercher si vous voulez, je me fiche de ce que vous trouverez. Terminé. Outrider. Rendez-vous au convoi. On va traquer ce signal et voir où ça nous mène. Ok. On peut accélérer. Ça va. Ah, merci. T'as vu, il a répondu au même moment que j'ai demandé. Trop fort. Il est trop fort, lui. La vallée. Trop fort, t'as vu? C'est trop fort, je demande pas, je sais qu'on accélère. Cuthbert, du nouveau? Même là, sont belles les cinématiques, je trouve. La sonde est faible, mais j'ai trouvé la source. Là-bas. J'espère que vous avez amené vos bottes. Jacob. Autre planète, même merde. Ochevice. J'aime bien la musique. J'adore la musique. Le son. L'électronique répond plus. Les camions sont HS, on continue à pied. Soldat, ta mission première, c'est Shira, tu comprends? Allez en avant, ouvrez l'œil. Alors là, on va avoir un effet flotte, ça va être sympa aussi.
Ouh, il y a un truc qui passe sous l'eau là. Il y a un crocodile là, j'aurais pas dire, mais ou un truc, je sais pas quoi là. Il y a un truc, je viens de le voir passer. T'as avalé ta salive de travers ? Non, ça va, c'est rien. Putain. Ramenez-le au vaisseau, prévenez les médecins ! Qu'est-ce qui se passe ? Recule, recule. Merde, fais chier. C'était moi hier quand je toussais. Enfin, avant-hier. Tanner, je vois la sonde. J'ai du mouvement. Je vais voir. Pas bougé, hein. Tu peux rester avec tes potes, hein. Ça me dérange pas. QGECA. On a un potentiel danger biologique. Demande de procédure de quarantaine à la base. Technicienne. Merde, Tanner, je croyais vous avoir dit de pas. Ma réputation en jeu avec cet atterrissage, et vous n'avez aucun. Maxwell. Merde. Unité 2, tenez votre position, on arrive vers vous. Préparez la tente médicale au cas où on devrait intervenir rapidement. Je sens que je vais me taper un truc là. Hé, hey, Bass, quoi de neuf? Je récupère notre sonde perdue. Et Skarsted? Il a une sale gueule. On sait ce que c'est, cette merde noire. Un genre de saprobiote ou de mycélium. Un truc à sauter. Des échantillons. Merde, c'est rien qui. Oh, ça paraît gros. Je sens qu'il y a. Ah, c'était sûr. Je me disais. Il va y avoir quelque chose ici. Salut! T'inquiète, j'en ai eu des méchants. Qui fait? Ah, ok. Ok, tu veux jouer? Viens. Aïe, 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 aïe. Oh, mais non! Arrête! Capitaine? Attaqué par une de ces hyènes vaches. Un truc l'a rendu folle, j'ai dû l'abattre. Oh, son... Faites gaffe. Bien reçu, Arthur. La vache de l'espace. Trouvez vite la sonde, on a plus le temps. Ok. Tanner, je l'ai trouvé. Bien joué. Prends les disques et tire-toi vite. Prends les secondes. Attendez. C'est seulement un relais. Tanner. En fait, le signal ne part pas de la sonde. Ça vient d'ailleurs sur la planète, de plus loin que notre zone de recherche. C'est impossible. Il n'y a personne d'autre. Prends le disque dur, on analysera tout ça à la base. Compris. Tu sens là d'où y arriver ? Ah, merde! Tanner, les circuits ont grillé. Donne-nous la fréquence. Oula. La fréquence capsule est 9, 7, point... Tanner, vous me recevez? Oh merde. Tanner! Tanner? C'est ça. Tanner ? C'est la seule. Je commence à voir des trucs vraiment bizarres ici. Il va bien se passer quelque chose. C'est quoi ce bordel ? Il faut y aller !
On y va. Cours, cours, cours. C'est ce que je fais. Oula. Oh le bordel. Merde, comment j'en passe? Merde, je me souviens plus. Oh le bordel, oh le bordel. Oh le bordel. Ouh. C'est une grosse voiture, t'as retrouvé seul. Maxwell, qu'est-ce que c'est que ça? À votre avis. Sergent-major, chef, nous devons suivre la procédure de quarantaine et repousser l'atterrissage. Tous les rapports qu'on nous avait faits sur cette planète, ils étaient faux. Il y a une espèce d'anomalie. Si on atterrit maintenant, tout le monde mourra. L'atterrissage se fera comme prévu, c'est trop tard maintenant. On n'a nulle part où aller. Oh merde, il arrive à quoi lui? Tanner, ici! Il nous faut de l'aide! Faut des médecins! Soignez-les! Par contre, il y a du décalage! C'est vraiment dommage! On les enferme! Il y a un décalage, il y a des sons qui viennent vous juste après en fait! Une belle raclure! Dommage, c'est dommage! Ouvrez les yeux! Ces hommes et ces femmes ont besoin d'une assistance médicale! Alors bougez-vous le fion et faites le bon choix! Ou alors je vais être obligé! Non! Contenez-le immédiatement et brûlez-moi tous ces putains de corps. Maxwell, il a pété les plombs. Je m'occupe des blessés. Repoussez-les. Jacob, couvre-moi. Je vais chercher Maxwell. Compris. Outrider, faites vos armes, c'est un ordre. C'est ça. Commencez par frapper vos spires. Sergent-major, la colonisation est trop risquée. Il faut prévenir le Florès. C'est vous, les Outriders, qui avez causé cette menace, mis en danger la mission. Comme. Oui, je veux, attends. Une nouvelle arme. Inventory. Alors, tech. Ok. Est-ce que je peux la changer le style? D'accord, ok. Ah ouais, d'accord. Okay. Ish.
vont exploser. Maxwell a créé un blocus. Il va tout incendier. Pourquoi? Il veut raconter ses versions des faits. Comment les Outriders sont tout fait capoter? Il doit vous dire. Attendez, Maxwell est le seul qui puisse arrêter l'atterrissage. Vous devez lui faire retrouver la raison. Ça fait quoi ça? J'ai vu un truc. Non, dimension. Que ça brûle, c'est clair. En train de péter partout là. Ne les laissez pas s'approcher! Je vous ai donné un ordre! T'as vu le changement de la cinématique? Elle a même pas eu le temps de finir sa phrase. Allez, bougez. Attendez. On est presque. Mouillez-vous. Ça va aller. J'en ai rien à foutre de tes problèmes perso. Qu'est-ce que vous faites? Je vous remets en cryostase en attendant que le labo puisse vous sauver. Dites pas n'importe quoi, je vais mourir, je vais mourir. Je suis désolé, le réconfort, c'est pas mon truc. J'espère que c'est sur la démo, pas sur le jeu complet. Les bugs comme ça. C'est un peu dommage. Quand les choses se terminent-elles vraiment? Était-ce quand vous êtes parti de la Terre? Était-ce quand vous avez vu le premier vaisseau exploser et brûler? Était-ce en voyant les autres Outriders tomber à vos pieds? Était-ce de vous voir mourir? Mais Enoch vous réserve des surprises, Outriders. Comme je dis toujours, il faut attendre pour connaître la fin. Ça va terminer comme ça jusqu'au jeu. Ouais. Vous, de quelle année êtes-vous? Année, quelle année? Quoi? C'est votre capsule? Où étaient les nœuds de liaison? Venez, Doc. Il faut y aller, ils arrivent. On ne peut pas les laisser là. Ce sont des Outriders. C'est pas pour eux qu'on est là. Mais... désolé. C'est...
Outrider. Ton espèce est pas morte. Morte ? Détache-moi, tu vas voir. Regarde. L'anomalie arrive. On va voir si t'as de bonnes jambes. Dans les tranchées, avec les autres. Bordel. Ferme ta putain de gueule. Hé, soldat, t'es de l'OCA aussi. Quand on sera dans les tranchées, il faut qu'on reste ensemble si on veut survivre, ok? Survivre à quoi? À la tempête qui va nous griller le cul. Hé, vous deux, je vous ai dit de fermer vos gueules. On y est, allez. Reculez, reculez. Qu'est-ce qui se passe encore? Ils ont un altéré. Ils massacrent nos gars. Cassez-vous d'ici! La tempête arrive! L'altéré s'en fout de la tempête! Merde! Passe par l'arrière, par la prison! Ça va être très chaud! On va rester ici, c'est une affaire! J'ai volé la vedette au capitaine! T'es pas bien dans ta tête! Attention! Oh, bordel! Oh, y'a un char! Il était blessé. Ouais, c'est mieux comme ça. Je veux dire, c'est tout. Go, go, go. Combien? Voilà. Ça fait combien de temps? Quoi? On voit là que le jeu, il est... On voit que le jeu est sur la PS5. J'étais pas né. Mais c'est pas possible, putain. On voit que c'est un jeu next-gen. Hein. Allez, ouvrez cette putain de porte. Bougez-vous. Juste les dialogues qui sont un peu embêtants, mais... Presque où? Vous nous emmenez où, là? Pas censé. C'est quoi ton problème, bordel? Tu viens de te réveiller ou quoi? Cryostase, je... Et débriefé, tu vas voir. Ce paradis que vous nous aviez promis, tu sais ce qu'on a eu, plutôt? Des putains de tempêtes aliens! Pas d'abri, pas de bouffe! Salut, Snoop! Pendant que le CA s'engraissait... Snoop. Plus d'électronique. On aurait pu vous laisser pourrir dans vos capsules, mais on l'a pas fait. On vous a sauvé, sale bâtard. Oh la vache, il l'a planté. La bouclée, bordel. Oh la vache. C'est ouvert. Bouchez-vous bien le nez. Bienvenue dans la vallée de la mort. Oula. Wow. Bah dis donc, c'est comment dire. C'est pendu, hein? Oh la vache! Oh bah lui il est cramé par contre lui. Oh la vache! Oh purée! C'est pas possible, je rêve! Vous êtes complètement cinglé! Tout ça, c'est complètement dingue! Yanni, bouffi! Prépare-toi pour les tranchées! Oh le jeu! Putain de merde. Mec. Oh le pauvre. Chose 1. Emporter, technomage, hiromage.
Mais moi, je suis un mage. Court portée, attaque et fuit, espace-temps. Non. C'est ce... Ouais, c'est seulement le... Bah, le début, oui. C'est le début. Moi, je vais faire pyromane. Qu'est-ce qu'ils font, les pyromanes? On peut voir, en plus, c'est cool, ça. Ouais, vas-y, vas-y, je prends ma... Ouais, je suis mage, j'ai pas de problème. Je vais voir celui-là. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Ouais, celui-là, c'est des petits gadgets, tu vois. Ça, c'est des petits gadgets. Ouais, je vais voir celui-là. Ça... Aïe, d'accord, Aïe, c'est vrai que les pyromanes et pyromages et illusionnistes sont pas mal. Et celui-là... celui-là, c'est plus un tank ou un... Ouais, c'est plus un tank. Ouais, je vais prendre pyromage. En pyromage. Je suis ma voix. Je suis un mage. Comme dans tous les jeux. Voulez-vous vraiment choisir? Vous ne pourrez plus modifier plus tard. Bah ouais. Hein. On est parti pour ça. Hein. Je prendrai... Ouais, comme ça, on aura chacun notre vision du jeu. La musique est avec ça, des petits sons et tout. Sors quand le jeu là. Ouais. Alors, Elin. Attention, Outrider, vivez l'histoire, explorez Riftown, essayez les 4 classes. D'accord. Bienvenue dans la démo. Ok, bon, donc là je commence dans la démo. Bienvenue dans la démo Outrider. Dans celle-ci, vous pourrez découvrir la première des nombreuses régions du jeu qui vous donnera un avant-goût du périple qui attend Outrider. D'accord. Vous pourrez atteindre le niveau de votre personnage 7 et le niveau du monde 5. Vous pourrez également posséder un maximum de 25 nains. La démo n'a pas de limite de temps. Vous pouvez donc prendre le temps d'aller voir les vendeurs, terminer les 4 quêtes secondaires et découvrir toutes les entrées et choses. D'accord, ok. Bah, let's go. Il faut que je sorte d'ici. Attends, je vais regarder. Ok. Alors attends, juste les ennemis. Ça, c'est un ennemi, ouais. Ça, insurgé. D'accord. Nage. Je clique, c'est pour éviter d'avoir les numéros à côté. Histoire. Ok. Ça, la planète d'origine. Tac. Ok. Elle a bien fait. Ouais, carrément. Quoi? Ah oui, bon, regardez. Il faut que je traverse ce putain de bourbier. Je sais pas ce qui se passe, mais je suis pas du bon côté. Qu'est-ce que... Merde. Presse... C'est moi qui ai fait ça. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes qui, vous? Ok, on tire, on discute après, compris. Bon, j'ai pas encore maîtrisé mon coup là de feu là, mais c'est sympa. Attends.
Il prend feu le truc. Il est mort. J'aime beaucoup. Oh merde. Qui a récupéré là. Putain, ça va vite, dis donc. Ouh, ça se déplace vite, hein. Quoi le truc bleu là-bas là? Des armes? Des fois, c'est... Ah, mais ils sont pleines. Ah, c'est des chaussures et puis du stuff. C'est des chaussures et stuff. Tac. D'accord. Quand je dis que tu es un pyromane, c'est pas pour rien. Doucement les gars, doucement, doucement, doucement. Et je me trompe du bouton à chaque fois pour me cacher. Le coup du feu, c'est que j'adore. Le pauvre. Je pensais qu'il était caché. Tu l'as zappé. La caisse, bah j'ai pris tout à l'heure. Ah oui, attends, je peux peut-être retourner là-bas. Attends, j'ai peut-être zappé la caisse, t'as raison. Mais ça va tellement vite que des fois je zappe des trucs. Celle qui était là-bas, la bleue là. Il y en a encore une autre. Mes munitions sont pleines. Si vous entendez, ah oui, la caisse qu'elle a. Si vous entendez du bruit, c'est mes filles hein, qui vont aller se coucher. Ah, un sniper. Non. Sniper. Attends, comment on le prend le sniper? Comment changer d'arme? Ah ouais, d'accord. Heureusement que... Oui, bah oui, Fifi. Bah c'est souvent ça, mais... Les modos. Ils me font rappeler. Ils me font, hey, t'aurais pas oublié un truc par hasard. Ah, attends, je vais utiliser sniper. Attends.
Boum. Tout ça, ces flammes, cette tempête, j'ai déjà vu ça dans la forêt. Coucou Dimeuse. On a atterri. Teste une démo d'un jeu, Gameuse. Niveau 3. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné comme truc? Niveau 3, compétences. Ça fait quoi ça? Immobilisation. D'accord. Ah, tu le bloques direct en fait. Ok. Classe. Ah ouais! Il y a plein de. Augmenter, tout ça. Ok. Pas de points là-dedans à mettre? Non, j'ai 0 points. Et celui-là, c'est tac, faut que je fasse ça. Attends, je regarde ce que t'as. Attends, je regarde ce que t'as mis vite fait. Attention, ennemi, fil. Alors, moi j'aime bien, j'aime beaucoup le jeu. En fait, il m'attaque, mais c'est moins violent que toi. Oui, j'ai fait mon perso. Quand même, j'adore, dommage qu'il. Ouais, il y a des petits bugs. Où les poissons volent. Oh mais enfin, tu as l'esprit trop fermé. Les poissons, ça vole. Oh, au-dessus de ta tête. De mon personnage? De mon perso? Mon perso, non, je l'ai fait... les cheveux courts, mais il avait pas le mode cheveux comme ça, en fait. Soit rasé, soit avec des bouclettes, enfin des trucs, des dreads. Non, j'ai mis... J'ai mis comme ça, il y a une petite cicatrice là, juste là. Voilà, c'était l'œil là. Cicatrice, tu vois. Du mien. Ah bon? Du tien? Alors. Suivez. Carnage. What? Ah ouais, je me disais merde, il se passe un truc. Les poissons là. Altérés. J'ai senti la tempête dans ton sang. Tu en baisses, Enoch. Ton genre est une abomination, exilé. Mais vous êtes qui, bordel? Outrider. Impossible.
existentiel, cette confusion. Tu cherches des réponses. Quoi que tu fus avant, tu as évolué. Une seconde vie. Ne cache pas ça. Qui c'était? Le Seigneur Seth. Qui c'était? C'est un altéré. Je ne suis qu'un simple homme. Un simple homme. Altéré? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Tu... tu ne sais pas. Tu l'as piqué où, cet uniforme? Nulle part, c'est le mien. Ah ouais? Si tu fais partie des Outriders, alors tu combats pas dans le bon coin, Altéré. Pourquoi tu parles à la fin? Le Grand Marshal, elle t'expliquera. Viens. Où elle est? Là. Là. Qu'est-ce que c'est? Vas-y. Faites ce que vous avez à faire, lieutenant. Shira? Vous êtes en vie. Désolé de vous décevoir. Vous venez de chez eux. Vous avez des infos pour nous? Je veux finir le jeu au plus vite. Vous vous foutez de ma gueule. C'est quoi cette histoire? Bon, j'ai une guerre à gagner. Alors soit vous m'aidez, soit vous retournez dormir. Il est repassé. En fait, il a été kryptonisé. Kryptonisé, je sais pas comment on dit. Il a été glacé. Et voilà, il est en train de. 31 ans, ça fait 31 ans. Ça fait 31 ans que je vois des gens combattre et mourir pendant que vous étiez en cryostase. Voilà, en cryostase. Si l'accueil est un peu froid. 31 ans. L'histoire qu'on a fait juste avant, en fait, Talia, dans la forêt, tout ça. L'anomalie. Voilà ce qui s'est passé. Ah, la tempête. On leur avait dit de périr. Notre électronique a complètement grillé. Toutes nos données effacées. Pas d'agriculture, pas de médicaments. Pas plus avancé que lorsqu'on a quitté la Terre. Sauf qu'on s'entretuait pour savoir qui aurait les restes. Pourquoi ne pas être allé autre part? Les Outriders seraient... Les Outriders sont morts! Quoi? L'anomalie nous bloque dans cette putain de vallée. On n'a nulle part où aller. Vous comprenez pas, hein? Vous croyez rêver? C'est réel. Croyez-moi, c'est bien réel. Alors c'est con. Vous êtes... Je vais juste regarder quand il sort ce jeu-là, en fait. Comme tout. Juste voir un truc. Juste savoir. Juste savoir quand il sort. Quoi? J'ai raté cette belle fête. Grand Marshal, on est arrivé trop tard. Les menaces courues, ils l'ont emmené sous terre. Alors, ramenez-le. C'est peut-être dans notre camp. Mais c'est leur territoire, madame. Je vais pas perdre les camps pour Jacob. Jacob? Il est vivant? Plus pour longtemps, on dirait. Alors je vais le chercher. Madame? Madame? Laissez tomber. Je m'en occupe. Ok. Je regarde juste... je vais dans les paramètres, vite fait. Juste voir quand il sort ce jeu. Ah, le 1er avril. Il sort le 1er avril. C'est pas une blague, hein. Il sort le 1er avril. D'accord, ok. Janvier. Attends. Janvier, février, mars, avril. Ouais, le 1er avril. Je recompte quand même. Janvier, février, mars. Merde, putain, c'est avril. Chier. Jacob en danger, et c'est d'aller le sauver. Au moins, certains trucs changeront jamais. Ah. Grand Marshal Rift. Il est beau, hein, quand même, hein. Shira, je suis équipé et je suis en train de localiser Jacob. C'est qui alors ces salopards? Des malfrats, dealers de drogue et esclavagistes. Ils se font appeler les Molosses. Croyez-moi, personne ne les regrettera si vous les refroidissez.
Pourquoi ne pas les avoir mis hors d'état de nuire plus tôt? Honnêtement, parce que nos hommes aiment trop leur marché noir. Et parce qu'ils ne bouffent pas leurs propres gosses, au moins, comme les insurgés. Ouais, j'en ai croisé quelques-uns. Charmant. Comment le CA espère que les commerçants s'en sortent sans subvention du gouvernement, hein? Tu vends des trucs, toi? Intéressant. J'ai de la thune? Est-ce que j'ai de l'argent? J'ai rien. Ah ouais, c'est l'argent, c'est ce qui est en bas, là. D'accord, ok. Ça peut faire stylé. On peut pas les voir sur nous, non? Non, on peut pas... Non. Garantie sans mauvaise surprise. D'accord. Okay. Y'a quoi là-dedans? Ah, quoi ça? J'ai récupéré un journal. D'accord. Refroidir alors que tu es un pire. Si j'avais ces pouvoirs, combien je besoin. Alors, l'union fait la force. Cop entre amis. Ça peut être cool. Je sais pas s'il y aura du cross parce que comme il va sortir aussi sur la Xbox normalement, je crois. Je sais pas s'il y aura un système de cross. Vous pouvez inviter vos amis depuis le salon. Uniquement ouverte. Vous pouvez utiliser matchmaking quand le type. D'accord. Ça doit être ça le système de en multi. Ouais. C'est quoi là-bas là? Ah, c'est ça pour se coiffer. Ouais, c'est l'apparence. Bah, les apparences sont pas mal, hein, mais moi j'ai pris celle que je préférais. Hein. Au niveau cheveux, j'allais pas faire un viking. Hein. Il y avait celle-là, j'allais pas faire un joueur de football. Hein. Non, j'ai pris. Il y avait pas ma coupe de cheveux que. Elle est pas mal, mais. Non, je garde celle-là. Voilà. Tu vas me coucher, bonne nuit, Talia. Repose-toi bien. Entrepôt des molosses. Tu es. Au fait, je cherche Jakub Dabrowski. Attends, c'est un. Merde, c'est ballot ça. Écoute, enflure, t'as un flingue pointé droit sur ton. Ish. Ça. Ah oui, qu'est-ce qui se passe, bordel? Je disais, je vais pas durer aussi tard hein, que hier. Hein. Le stream. Faut que je bouge. Oh la vache, mais ça tire de partout là.
expliquer, moi, ce matin. Ma mère est venue, elle a cru que j'étais morte ou malade. Non, mais ma femme, elle m'a dit « C'est bizarre, tu te lèves plus tard que d'habitude. » Ah bon ? Je sais pas. Alors attends, il me donne des armes. Alors, c'est quoi comme tenue ? Ah, et celle-là, y'a rien. D'accord. Moi, je commence à avoir une petite tenue là. Que j'aime pas le pistolet, mais il fait mal quand même. Il est quand même super mal. Je peux pas changer avec Ah oui, attends, je vais prendre le snipe, ça va être mieux. Merde.
Ah merde. Bon, où est Jacob ? C'est ça, vas-y. Hey. Wow. Désolé, les filles. Je croyais que c'était les chiottes. Ça va? Tout était sous contrôle. Ça fait un bail. On se connaît? Je te croyais clamsé. C'est toi qui vas clamser si tu rentres pas voir Shira Fissa. Ah, Shira. Ok. Retrouve-moi là-bas quand t'as fini. What? Il s'est passé quoi? C'est-à-dire? Il s'est passé quoi? Shira, j'ai retrouvé Jacob. En un seul morceau. Je vous l'envoie. Ce poivreau est décidément tenace. Joignez-vous donc à nous. Vous avez quelques années à rattraper. Voyons. Carrément, il y avait un truc sur le live, c'est normal. C'est-à-dire? Non, il le fera pas. Parce que l'enfoiré. C'est-à-dire, une gameuse? Un truc. Hey, vous savez que ça fait plaisir de revoir des trônes connus. T'as pas pris une ride, toi. Et toi, t'as vieilli, mon ami. Dans le couloir, c'était Seth. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il ignorait nos suppliques. Je le croyais de votre côté. Seth, il est du côté de personne. Un écran violet avec Twitch. Désaltéré par les insurgés. C'est un vrai cauchemar. Heureusement que Seth est par là pour les repousser des fois. Mais uniquement quand monsieur décide que ça lui va. Putain de merde. La situation est catastrophique, Outrider. On pensait avoir échappé à l'apocalypse. On pensait pouvoir recommencer ici. Mais on avait tort. J'ai eu tort. Shira... Je vais regarder, attends, vous savez quelle pourquoi heure, c'est moi qui commande? Non, il est quelle heure? Parce que je suis à 1h33. Je vais regarder à 1h30 le live. Les insurgés sont là. La rediff. Dehors.
à une heure et demie. Ils sont sauvages, sadiques, et ils nous encerclent. On manque de nourriture, de munitions. Et si cet arrêt nous tue pas, eh bien ce sera la planète. Bienvenue. En plus, c'est en anglais. Le champignon dans la forêt. Quoi donc ? On sait toujours rien. T'entends pas, c'est en français ? Les montagnes remplies d'abominations. Les tempêtes d'anomalies grossissent chaque année. Mais ils sont ? Ça parle français ? Si on n'arrive pas à sortir de cette vallée, si on n'arrive pas à un miracle, ce dernier bout d'humanité est fini. Shira. Ah ouais, voyez-vous ça? Je peux faire des choses maintenant. Je ne comprends pas encore, mais peut-être qu'il y a une raison. Vous êtes... Je te parle de l'écran violet. Ah ouais, d'accord. Je comprends pourquoi je vous ai sauvé la vie il y a si longtemps. Je vais regarder ça après. Pas vraiment être ce que vous aviez en tête. De toute façon, là, je vais aller coucher les filles. Mais je ne comprends pas. Quand on je vais laisser un petit peu. Ouais, je fais un petit peu l'aventure là, mais après, je vais aller coucher les filles. Pourquoi j'ai été altéré ? Personne ne sait. Quand les tempêtes frappent, certains sont démembrés, d'autres. Mais franchement, il est sympa comme petit jeu. Et peu y survivent. Dommage que. Ouais, j'étais obligé, Ad. Désolé. L'anomalie n'a absolument aucun sens. Elle détraque les lois naturelles et fait muter tout ce qu'elle touche. Au début, les scientifiques de l'océan voulaient comprendre les tempêtes, les dompter. Eh bien, ils sont tous morts. Boss, on dirait que t'as eu du bol. Ou peut-être pas. Tout ce qui m'importe, c'est que vous soyez avec nous. Notre ravitaillement est bloqué par un altéré qu'on ne peut toucher. Près de la vieille centrale solaire. Seth n'a aucun intérêt à nous aider, mais... Vous êtes là. Allez, pourquoi pas. Si je peux faire gagner un jour à l'humanité... Lieutenant, c'était quoi encore ? La première ligne s'est effondrée ! Un tremblement de terre ou... Je crois qu'on a perdu toutes nos défenses avancées. J'arrive. Go, go, go! Hey! Au cas où j'ai plus l'occasion, je t'ai cherché partout. Mais c'est parti en couille. On n'avait pas le temps, j'étais... Oublie ça. Je suis vivant. J'aurais pu crever 10 fois facile sans Tanner, sans Shira. Maintenant, c'est à moi de rembourser les dettes, Jacob. Boss, ouais, tu m'as manqué. Ça fait du bien de te revoir. Va botter le cul de ce putain d'altéré. Qu'on puisse enfin revenir dans cette putain de guerre. Ok. Je vais m'arrêter là, moi. Faites attention, Outrider. C'est chaud dehors. Je verrai ce que je peux bon, faire. Bah, par bon contre, terme. Shira, j'ai toujours 30 ans de questions à vous poser. Venez me les poser si vous revenez en un seul morceau. Mais je ne sais pas si j'aurai toutes les réponses. Ouais. Je pense que ouais, je vais stopper là pour ce soir. Je vais peut-être... là, je vais peut-être arrêter le stream. Mais je vais peut-être aller sur un autre jeu. Je dois faire un petit peu de farmage. Comme ça. Ouais, ce petit jeu là, je vais peut-être le reprendre demain. Tu vois, j'ai envie de. Ouais, je vais le continuer. Même si c'est une démo, on peut la faire assez longuement. Et sur ce, bah. Au cas où, n'hésite pas à passer. Hein. Après, je sais pas si je serai en vocal parce que. Pour pas embêter les filles. Donc voilà. Ok. Bon bah le petit jeu est plutôt sympa. Plutôt sympa franchement. Et il faut savoir, gameuse, le jeu là, tout ce que tu fais, tu peux le tu peux le transférer à dans le jeu quand il va sortir en fait. Et ça c'est cool. Ça c'est plutôt cool. Au moins t'es pas obligé de tout refaire. Au moins une bonne idée, tu vois. C'est pas mal ça. C'est pas mal ce petit système. Bon bah sur ce, je te souhaite une bonne soirée, puis si on se revoit, peut-être dans la soirée, je te dis à bientôt, hein. À la prochaine, allez tchuss.
It's a long road. Guess I need.